Peut-on faire toute une prière pour demander à Dieu de nous envoyer des chaises et une table pour notre maison? Vous venez d'aménager quelque part. Au lieu de vous débrouiller, mais vous passez tout votre temps à prier Dieu pour vous meubler la maison. Envoie-moi la chaise. Je n'ai pas de chaise, mon Dieu. Je n'ai pas de table. Que dois-je faire? Vous savez, il y a certaines prières qui restent comme ça sans être réalisées. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas, ce n'est pas que Dieu ne vous a pas entendu, c'est parce qu'il se dit, il se demande exactement ce que vous attendez de lui alors qu'il vous a tout donné. Dieu a créé la forêt et il t'a doté d'une intelligence. Il se dit qu'il est normal qu'avec la forêt et ton intelligence, que tu utilises cette intelligence à bon escient pour créer des chaises, pour fabriquer des chaises et des tables. Les amis, il y a des prières comme ça. Ce n'est que une métaphore que je mets en exergue, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des prières qu'on n'a pas besoin de faire. Il y a certaines situations où on a besoin que nous soyons courageux, que nous prenions des risques et que nous utilisions notre intelligence, pas de passer notre temps à prier pour les choses dont nous avons le contrôle. Tu peux prier lorsque tu sais que, par exemple, c'est quelque chose dont tu n'as aucun contrôle. C'est quelque chose qui te dépasse. Mais à quel moment vas-tu mettre en pratique l'intelligence que Dieu t'a donnée? Il a fait la différence entre les animaux et les humains. Il a dit, bon, aux humains, je vais leur donner une intelligence parce que je veux qu'ils transforment leur monde autour d'eux, qu'ils transforment leur environnement avec cette intelligence-là. Bah imagine que toi, tu te retrouves dans une situation où tu ne veux pas utiliser ton intelligence, mais tu passes ton temps à prier. Je vais pour mieux m'expliquer, peut-être certaines personnes ne vont pas comprendre, elles vont s'embarquer dans des débats inutiles en pensant que je leur dis de ne pas prier. Non, il ne s'agit pas de vous dire de ne pas prier, mais c'est juste pour vous dire, la prière doit être effective, la prière doit être accompagnée des actions. Alors, imaginez, vous avez un enfant de 2 ans. Et cet enfant, vous lui avez tout appris. Vous êtes censé, vous élevez 2 enfants et il y a un qui arrive déjà à marcher et pourtant ils ont le même âge. Mais l'autre ne marche pas parce qu'il passe son temps à attendre que vous l'aidiez. Lorsque vous lui demandez de venir vers vous, il s'assoit, il pleure parce qu'il veut que vous veniez le porter. Vous allez lui dire, maintenant, tu as les pieds, tu as les mains, tu peux déjà te tenir debout. Si tu ne peux pas te tenir debout, il faut ramper. Comment se fait-il que tu me demandes de venir te porter alors que tu as la possibilité de ramper? On t'a doté des bras et des pieds pour que tu arrives à les utiliser. Mais tu ne peux pas passer ton temps à attendre qu'on vienne t'aider. Non. Sinon, tu ne vas pas grandir. Sinon, je ne te rends pas service. Et c'est la même chose avec Dieu. Il s'est dit, bon, le monde dans lequel vous vivez a besoin des gens qui vont utiliser leur intelligence pour transformer leur environnement, pour améliorer les choses autour d'eux. N'attendez pas tout de moi. Même ceux dont vous n'avez réellement pas besoin, ne me le demandez pas. Je vous ai déjà tout donné. Je ne peux intervenir que lorsqu'il s'agira des choses où je sais que vous n'avez aucune force. Je viendrai. Je serai toujours là. Mais les choses que vous-même vous pouvez transformer, ne m'appelez pas. C'est de la paresse, de la vraie flemme.